Yo, salut à tous les amis, c'est Fleischer. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 13 du coup de The Legend of Zelda Minish Cape. Et finalement, vu que je sais vraiment pas ce qu'il faut faire, on va y aller visiter la ville un peu. Enfin, parce que voilà quoi, on l'a toujours pas visité correctement. Enfin, genre comme voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Je suis arrivé en bonne place au tournoi de l'an dernier. Ok. On dit que la force peut exaucer tous les vœux. Le roi sait certainement l'utiliser à des fins pacifiques. Hop, 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 toi là, t'es quoi? Non! Je l'ai perdu. Mais non, il part! Oh. Là, il y a quoi? Oh, on peut s'acheter. Je vais m'acheter ça là. La grande bourse. Ouais, bah je veux bien m'acheter ça. Ouais. Ouais, la grande bourse. Parfait. Merci, à la prochaine. Ok, bon, on a tout, hein. Franchement, ça sert à rien. Est-ce qu'il a... Livraison plus rapide que l'éclair. Le facteur infaillible. Ouais. Ah, il peut nous faire des échanges. Ça. Les deux fragments se sont assemblés. Ok, let's go, c'est bien. J'aimerais bien me rendre encore plus utile. J'ai une idée, je vais demander à Maître Tenshin d'écrire une revue. On n'aura plus rien à craindre des monstres si on devenait plus tous forts. Ça va me donner beaucoup de boulot. Je vais demander à Mail de m'aider. Ah ouais, bonne idée. Formidable. Ça me donne encore plus d'énergie pour distribuer du courrier. Ouais. Lui, est-ce qu'on peut lui faire des échanges? Non. Franchement, on n'en a rien à faire de ces légumes. Lui, on peut pas lui faire d'échanges. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire? Le roi n'a jamais été aussi sévère. On dit qu'il est très dur avec les soldats. Ok. Yo. Livraison plus rapide qu'un éclair, le facteur infaillible est ponctuel. Ok. Ça m'intéresse pas trop. Putain, si on devenait un miniche ici, enfin si on devenait petit ici. Ah, mais il nous faut des bottes de Pégase. Ici, c'est quoi? C'est le cordonnier. Oh, bah parfait. Let's go, on a trouvé. On va devenir petit. Hop. On a trouvé. Oh, des feuilles. Il y a même des entrées secrètes Minish créées à partir d'objets humains. Les Minish n'ont pas l'air comme ça, mais ils sont vraiment très malins. Stylé. Tu ne serais pas Link, l'humain à qui Melta a forgé une épée? Alors comme ça, tu veux sauver la princesse, la classe. Moi aussi, j'aimerais être un aventurier, mais je dois aider Sopor. Tu veux les bottes de Pégase? Ça tombe plutôt bien. Nous en fabriquons justement une paire pendant que Sopper est endormi. Mais il n'y a que lui qui sache en faire les finitions. Le problème, c'est que Sopper a beaucoup de mal à se réveiller. Si tu es pressé, tu devrais aller voir Sirup la sorcière. Mais c'est un peu loin, regarde, c'est là. Ah ouais. De toute façon, Sopor a du travail urgent. Il doit se réveiller. Nous fabriquons tes bottes pendant que tu iras voir Syrup. La sorcière Syrup habite au nord de la forêt de Tipolia. Regarde la marque sur ta carte. Ouais. Et elle. De toute façon, Sopor a du travail urgent. Il doit se réveiller. Ouais.
nous fabriquer. Ouais, ça, il l'a dit, en fait. Ok. Putain, mais c'est grave bien fait. Bah c'est parfait du coup. Là c'est quoi? Cette boutique n'est pas encore ouverte. Tant pis, on reviendra plus tard. Ouais, on va y aller voir là aussi. La porte est fermée de l'intérieur, on ne peut pas rentrer de ce côté. Bonjour. Je meurs d'envie d'essayer le nouveau jeu, mais la boutique est fermée. Je pense qu'elle ne devrait pas tarder à ouvrir. Ouais. Oh là, il y a du rubis là. Ah ouais, mais non, mais je... Oh, il y a un boomerang. Let's go, bye. Eh ben non. Un boomerang, 300 rubis, je me casse. Mais il est malade. Allez. Eh, hey, casse les couilles. Allez hop, on se casse. Là, y a quoi? Notre chien est très intelligent, mais il est un peu capricieux. Ouais, j'imagine. Ah ouais, c'est vrai, on peut casser les pots. Là, y'a quoi? Ça, c'est un chat cette fois. Là, y'a quoi? Ça a l'air d'être une maison normale. On dirait bien qu'il n'y a personne dans cette maison. On ne devrait pas rentrer. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on pourrait devenir un jour mini-niche dans la ville. Oh, ça, c'est l'auberge. Sois le bienvenu, mon garçon. Tu veux te reposer un moment? Tu récupéreras toute ton énergie et en plus, je t'offre un cadeau. Quelle chambre veux-tu? Aucune. Merci à 50 rubis, à 200 rubis. Aucune, merci. Ah bon, tu ne veux pas te reposer? Reviens quand tu veux. Les chambres de bonne et de moins bonne catégorie sont si différentes. Ah ouais. J'imagine un peu quand même. Hein. Hop. Gagner un... Ah ouais, bon. Hop, y'a quoi d'autre? Oh, ça, je dirais que c'est des... Enfin... Je pense que c'est des personnages d'autres jeux. Ou je sais pas. Mais je pense qu'il y a des anecdotes à avoir avec les filles. Je vais vérifier, mais pour le prochain épisode. Voilà. Ce moustachu n'a pas l'air sérieux et la décoration est de mauvais goût. Oh, il y a un truc. Ok, ouais, mais bon, il est pas très sérieux. Ok. Je pense qu'il faut améliorer l'épée au max pour pouvoir pousser ce caillou. Ouais, je pense. Ouais, je vais te frapper. Ah, allez. Mais franchement, du coup, c'est grave bien. Le jeu est super bien fait. Moi, j'aime bien. Allez, go, on se casse. On va y aller voir à la forêt. Ok, on va dans la forêt. Je pense qu'on va économiser, on va s'acheter le boomerang.
La maison, elle est là. C'est la maison qu'on cherche. Ouais, par contre, comment je fais pour... pour y aller? Attendez, on va essayer avec le bâton. Non, on va essayer... bah les bombes, ça marche pas, on avait déjà essayé. Non, ça marche pas. Non. Franchement, je vois pas comment on peut y aller. Attendez, on va y aller voir la carte. Oh tiens. Ouais, bah je vois vraiment pas comment on peut y aller. Peut-être en passant par en haut. On va essayer de rentrer dans la forêt par en haut. Ok. Oh, j'ai du rubis. Oh. Ouais, mais je suis déjà y allé là une fois. Bienvenue à la fontaine des aventuriers. Je vais faire disparaître ta fatigue. Que la fortune guide tes pas. Merci, sauf que bah en fait j'étais pas fatigué. Ok, donc c'est pas par là. On va essayer de passer par un autre endroit du coup. Hop, hop, hop. C'est pas par là non plus. Ok, attendez, je viens de voir un truc. Peut-être. Je dis bien peut-être que ça va nous aider. Ok, allez. On est rentré dedans. On peut redevenir grand. Vous avez trouvé la clé de la ferme. Le fermier va pouvoir ouvrir la... ouais, comment on ouvre? En fait, on est obligé de ressortir par là. Mais je pense que le fermier, il avait perdu sa clé. On va y aller lui parler pour voir. Ok, let's go. On va lui parler. Mais c'est la clé de la ferme. Je ne sais pas comment tu as fait pour aller la chercher, mais je te remercie. Comment tu t'appelles? Link, c'est un joli nom. Tu n'as qu'à passer par la ferme si tu veux aller au lac. Oh, parfait. Oh, let's go, on peut y aller. Merci beaucoup, Link. Reviens nous voir quand tu veux. Parfait, on peut y aller. Let's go. Hop, on va casser tout. Ha ha ha.
Tu nous laisses rentrer, nous on casse tout. Mais... Allez hop, on se casse. Hop, hop, vous frappez la vache. Mais... On peut looter des trucs intéressants ici. Oh, on se sent bien ici. C'est si paisible et ces vaches doivent faire un bon lait. Ouais, je suis d'accord. Oh, une grotte. Bah, let's go, on va y aller voir la grotte. Ah, enfin un truc qu'on peut faire. Ah, 50 rubis. Ah, on peut faire tellement de trucs. Bon, allez. On va y aller à la forêt. Lac Tipelia. Ouais. Ok. Attendez. Mince. Ok, et nous on est là. On doit y aller en bas. Ah, sauf qu'on peut pas y aller en bas. Ok. Donc c'est ici qu'on ira pour le prochain... Pour le prochain élément. On va plutôt y aller... Ah, on peut pas en fait. Oh, je suis déçu. Oups. Est-ce que... Attendez. Est-ce qu'on pourrait pas passer genre par là? Attendez. Non, non, j'ai rien dit. On leur vole tous les rubis. Non, franchement, je... C'est pas par là, merde. Et comment on fait, du coup, nous? Pour y aller au lac. Ouais, on va voir. Non, mais là, c'était la cascade, je me rappelle. On va essayer quand même de chercher. Allez. On devient petit. Et mince, ça ne sert strictement à rien. On va continuer à chercher parce que franchement, je... Je vois pas par où est-ce qu'on est censé passer. Du coup. Si on peut pas passer.
J'ai peut-être une idée. Et non. On peut pas tricher. Ah. Wouf wouf. Ok. On va continuer à chercher. Aïe, ça sert strictement à rien. Putain, mais je peux pas, j'y arrive pas, c'est n'importe quoi. Oh là là. Comment je suis censé faire, moi? Ouais, c'est par là, sauf que ouais, comment on fait pour y aller là-bas? On n'a aucun moyen. On n'a réellement aucun moyen. Et le pire, c'est que j'ai même pas de bouton select, moi. On va essayer de repasser par la forêt, mais... Ah bon, on va voler encore une fois quelques rubis. Ah. Allez. Ah non, non, c'est vrai. Non, ça nous sert strictement à rien. Bienvenue à la fontaine, aventurier, gna gna. Ok, merci, sauf que ça m'a servi à rien. Est-ce que... Attendez. Non. Est-ce que le bouton select, ce serait pas ça? Non. Non, c'est pas ça. Ah putain, c'est chiant de jouer sur émulateur, on n'a même pas les bons boutons. Je me demande, ce serait quoi le bouton select? Ah, peut-être ça, non. Non, non, non. Non, je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être le bouton select. Ok, la ferme là. Ok, encore des fragments. Encore des fragments. Ah, un travailleur. Alors montrer comment on casse leur récolte. On sait faire, nous, pour casser. Yo, j'ai cassé toutes tes récoltes. Ah, on peut. C'est sympa ça. Attendez.
tu veux un assemblage? Ouais, sauf que je peux pas assembler. Ah, si. Ok, les deux fragments sont assemblés. Allez, please, ouvre-nous le chemin. Et non, ça nous fait juste ça. Ok. Un coffre, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais où c'est. Est-ce que toi, t'as... Ouais. Un assemblage. Ah, j'ai trouvé. Là. Le gars, il s'appelle Amat. Ah! Je me sens d'une forme... d'une force de géant. Ah. Ok, ok. J'ai enfin réussi à ouvrir. Allons vite voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. On va y aller voir si on peut accéder au gars là. Je sais pas, je pense pas. Ah, trop de rubis partout. Il pleut des rubis. On va y aller voir sur la carte encore une fois. Ça, c'est la cité d'Hyrule. Oh, il y a quelque chose là-bas. On va y aller à la cité. On va retourner à la cité d'Hyrule en fait. Ok, alors. En haut. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu emprunter un livre, mais c'est encore fermé. Ouais, oh, ok, il n'y a rien. Assembler les fragments. Pourquoi pas? Let's go. Les deux fragments se sont assemblés. La chance va peut-être vous sourire. Allez. C'est où ça? Encore un coffre. Ils sont assemblés. Il paraît que ça porte bonheur. Ouais, bah je sais. Écoute. Ah! Que les ailes du vent t'accompagnent, porteur de la force. Tiens, encore un autre symbole. Cette explosion me fera toujours sauter. Ouais, du coup, on va y aller voir là-bas. Nous sommes en plein milieu d'un cours très important. Je te prierai de ne pas rentrer. Oh. Non, il y a vraiment rien. Ah, je sais pas moi. Ça c'est fait. Ici. Mince. J'appuie sur le mauvais bouton. Oh, faut que j'arrête d'appuyer sur le mauvais bouton. Ok, donc c'est en bas d'ici. En bas d'ici. Bon, on va y aller voir. Ah, il y a un coffre ici.
C'est vraiment chiant là, j'aimerais bien trouver à la fin la suite. Oh. Oh. Un chapeau vert, une tunique verte. Serais-tu un lutin? Ouah, la classe, la classe. Moi aussi, j'aimerais bien être un lutin. À propos, j'ai un fragment du bonheur. On les assemble, Didi. Ok. Tu as assemblé des fragments? Avec plaisir, essayons tout de suite. Les deux fragments se sont assemblés. La chance va peut-être nous sourire. Ok, stylé!